Salut, bienvenue pour ce vlog numéro 16. Aujourd'hui, c'est la veille de mon départ pour le Québec. Donc ce matin, je vais aller vendre quelques composants qui me restent, c'est-à-dire carte graphique et barrette de mémoire. Et ensuite, on monte chez Lola parce que j'ai un cover à faire. Bon, du coup, on est chez Lola. Oh putain, Chris. Du coup, on est chez Lola, on est en train d'acheter la musique de Suffer parce qu'en finalement, on fait pas le milliardeur, on va faire un cover sur Suffer, chanson que Lola adore. Ah, génial. Du coup, on met le numéro de carte de Lola, donc le numéro de carte de Lola c'est 53 à 41. Non, qu'elle possède un Mac, c'est pas grave, on en veut pas. Je vais remettre en ligne la vidéo sur les aliens, le podcast. Je pense que vous devez pas... Non, si vous l'avez déjà vu normalement, si la vidéo, le vlog là sort au bon moment. Donc c'est pas mal, on prépare les prochaines vidéos. J'ai deux vidéos qui sortent aujourd'hui, la vidéo de la chasse Pokémon Go numéro 3 et le vlog numéro 15 où on était parti au McDo. Au McDo, non, au Maïdo plutôt. Ça, c'est donc, une voilà. Surprise pour toi. Ah mon dieu, j'ai peur. C'est quoi? Non. Non, mais tu vas voir, c'est trop bien. D'accord. Attends. J'ai peur des surprises de Lola. Attends, j'ai extrêmement peur. Je vous présente. Attends, montre-moi. Voilà, ma tête est nulle, je sais. La femme de Brice. Elle est magnifique. Non, c'est magnifique. Dégueulasse. Regarde. Non. Ça fait 3-4 mois qu'elle me fait chier avec ça, je crois. Un truc comme ça, elle a montré ça une fois en salle info. Ouais. Super. Et ouais. Voilà, maintenant elle est fière d'elle, tous les jours, à montrer ça. Oui. Dès qu'elle peut. Très fière. Très fière. Voilà, bon, ça c'est fait. Non, bon, faut qu'on aille répéter nous. Am I on I go through picture you, sell my phone. Oh, stop tempting me, you know what I'm on. Et regardez qui vient de télécharger Pokémon Go. Alors ça fait la création de personnage. Ouais. Ouais. Mais que des trucs moches. C'est pas des stylistes non plus les mecs hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi? Je vlog. Ça filme. Attends, mais on n'entend rien là. Donc voilà, c'est le moment où je pleure, hein. C'est le moment où bah tout est fini, bah voilà, je me retrouve toute seule après. Et l'autre qui rigole. Bon, bah voilà. Non, je vais pas pleurer. Je vais essayer. Demain je pleure à l'aéroport. Demain. Monsieur range ses affaires, allez vas-y. On peut finir en ranger les trucs. Bah ouais. T'as des gentils toi. Quoi? Tu viens plus. Bah quand je viens. Bah je sais pas. Je sais pas, quand je viens en vacances, bah tu viens en vacances en même temps. Ah bon? Oh le focus. Dans le bloc. C'est moche, hein. Ah non! Ah non! Oh là mes yeux! Qu'est-ce qui se passe encore là? Qu'est-ce que c'est?
T'es en train de tout casser en fait. Tu galères. Tu peux, ouais. Tu veux de l'aide? Non, c'est bon. Tant mieux. Chier. You make me suffer. You make me suffer. Putain, mais j'ai réellement une tête à ne pas être sur les vidéos de des gens. Sur les vidéos. Plus sur les vidéos. Ouais. Quoi? Sur la vidéo, j'aurais fait. Non. Si. Non, avec une tête de con comme moi, non, c'est pas possible. Lola Caminade. Non. Quoi? Une grande chanteuse un jour, je pourrais. Et dépêche-toi, tes parents t'attendent. Bah écoute, ce que je sais. Oui? Je me parle, t'inquiète. T'en fous moi, je sais. Je m'en fous toi, c'est pour ça que je viens te voir demain. Ah oui, c'est pour ça. Non, bon, je viendrai pas alors. C'est pas grave. Allo, oui, je range le papier là, j'arrive. Allez. Oui, mais non, mais j'ai pas voulu descendre le voir. Allez. Bon. C'est quoi? Non, rien. J'ai rien dit. Je le verrai dans le vlog, tu sais. Je le verrai quand je t'arrangerai. Non. Je suis pas. Bon, bah. Parfait. C'est bon, tu dis au revoir. A tout de suite. A tout de suite. Et alors, on va jamais mettre Théodore. Ah, excusez-moi, c'est un casque, ça vous pue. Vous allez le dorer. Oh, bah, bien. Bon, on est en compagnie de Père Michael. Si. Un grand camarade que je connais depuis 5ème. 5ème, ouais. La 5ème BA. Et je me rappelle encore là, comme tu montes le petit. Là, le petit gars, t'es plus stressé, tu me dis comment, ouais. Le gars est tout en retard en fait. Il est une heure, là, mec. Il est une heure. Ce gars est tout en retard. Toute sa vie, il est en retard. Mais t'es nîmes, t'es en retard. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Toutes ces années, on a fait plein de trucs. Job. Il y a encore peut-être des choses à faire plus tard. Ça part encore. Ah, je sais pas, t'inquiète. Vous venez baiser carré, si vous venez baiser carré là-bas. Mais bon, de toute façon, tout le monde vient me voir, donc je vais prendre un bus. Si y a un petit convoi, ouais, ouais. Tout le monde nous loue un bus pour au Québec et on fera un petit voyage à New York. Je sais pas, ce serait pas mauvais ça. Bah, oui, mais. Bonne idée, ouais. C'est un petit projet. Ouais, l'année prochaine, tu vois. Ah non, attends, c'est combien de temps ça va là? 3 ans. Moi, j'ai pas de retour entre temps. Enfin, si je gagne 1 million, oui. Mais sinon, j'ai pas de retour prévu. Parce qu'il y a pas. J'ai un billet de retour à la fin des 3 ans. Mais il me font un billet de retour. Ouais, c'est né en fait. Mais c'est après pour payer le billet. Ouais, je paye le billet, oui, mais après, tu vois, l'argent ça coûte cher le billet. Ça réunit, ouais. Hein? Ça réunit. Ça coûte cher le billet, tu vois. Ça réunit. Ah, bon. Mais la famille, ça aide au pays. Mais c'est eux qui viennent me voir en fait. Ça leur fera un voyage. Donc, ils débarquer à 40 au Québec. Bon. Voilà. C'était plaisir de voir Mika. Ça fait me dire, je vais rencontrer d'autres personnes. Puis voilà. Allez. Bon les amis, j'ai trouvé les stickers que j'allais mettre sur ma valise pour la reconnaître d'assez loin en fait. Parce que je me suis dit mais des stickers de La Réunion et des fils rouges c'était un peu basique. Donc j'ai pris un truc un peu plus stylé. Voilà, donc il y aura ça sur ma valise et ça sera très repérable de loin. Et je pense que je vais assez faire le buzz avec ça à l'aéroport. Je vais faire le buzz avec ça, c'est parti. Donc là on va procéder à la pose des stickers. Donc là on part sur le premier sticker donc qui est le petit chien policier métis. Donc on va y aller, donc on voit un peu la pose, comment elle s'est fait, donc tout ce qui va là comme ça. On va commencer à décoller, c'est parti. Oh, la galère pour enlever ça. Ok, voilà. Alors lui s'appelle Rarex dans le tas, ok. On va le coller en plus. On oublie donc ça colle dedans en fait. Hein, ah ok, t'as le pompier devant en fait. C'est pas mal. Allez. Voilà. Bon bah je vais quitter la maison là, j'ai le sac sur le dos, le sac fait 10 kg au lieu de 12. Ensuite là, la petite valise un peu stylée. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on sort de Saint-Pierre et on va monter à Saint-Denis jusqu'à l'aéroport. We'll be right back.
pied dans les embouteillages à Saint-Denis, comme d'habitude. Saint-Denis changera jamais. Bon, je suis arrivé à l'aéroport, donc là on est en compagnie de Delphine, Angélique et Evelyne. Pleure pas, j'en ai. Ça va? Ça va, bah écoute, dire au revoir, c'est pas toujours la joie, mais ah oui, il faut ce qu'il faut, hein. Donc on fait avec, hein. Oui, le diable qui devait venir aussi. Qui ça? Bah oui, il est. Mais vas-y, il arrive là. Enfin, bah tenez-moi, bah, je crois qu'il est. Il habitait là, les. Bon, bah nous aussi. Ah, c'est bah oui. Écoutez, l'embouteillage samedi. Les gars, y'a. Mais c'est pour la bien apprécier. 25 minutes depuis le barrage, je suis là. Sérieux? Ouais. Putain. Parce qu'elle a fait de la vanille là, je peux pas. Nous, on a fait 10 minutes. Ah, super. Tu te rends compte, on s'est déplacé pour te dire au revoir. Ah, c'est fabuleux. Hein. Fabuleux, c'est fabuleux. Moi, j'en ai pointé. Par contre, dernier vlog à la rigue. Ouais, c'est un dernier vlog pour l'instant, attends. Prochaine fois, le bruit il vient. J'ai mon entreprise, ma startup. Uber, un million sur le compte. Je te jure, il sera rémunéré par YouTube et tout. C'est ça. C'est le but. Enfin. Bon, moi je vais aller enregistrer mes bagages, je vais aller pointer à la région. Notons le design de la valise. C'est coupé. Le voyageur. Là, c'est donc, un échange de produits illicites. C'est un échange des papiers contre un truc sans... Bah donc tiens 5 euros comme n'importe le pop. Bah oui. Non, je rigole. 5 euros. Tiens, je rigole, je suis un... Bon bah maintenant on barre où là? Allez, moi je prends l'avion. Oh, j'ai rien acheté. Ça c'est mieux hein. Ouais. On est en compagnie donc de Tony. Non. Non. Delphine, Angélique. Jérémy. Evelyne. Oui. Donc on embarque tous pour aller au Canada. Yes. Sauf moins. Sauf les 5 là. Canada trop bas. Voilà, c'est ça, moi j'embarque dans l'hélicoptère pour monter à Salazie. C'est ça. Tu fais quoi, le nouveau livreur? Ouais, t'es ma tête, tu m'as. Les gars, ils tournent un vlog, ils disent mon pourra chier? Ben ouais, mais vont-vous chier? Ben oui. Je vais être prêt à bouffer des vlogs pendant longtemps parce que là. Ça va vlogger. Prêt à faire des vlogs de 40 minutes à Montréal. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je prends les. J'ai la veste touriste. C'est ça, j'ai la veste touriste, le sac touriste. Lunettes de soleil touriste. L'équipement parfait. C'est ça. Tu vas changer le nom de ta chaîne, tu vas appeler, tu appelles plus Prisubé, tu l'appelles Réunion du Canada. C'est clair. Tu veux changer le nom de ta chaîne? T'es Rod pas au fin de deuxième. Tu relances une série de vlogs là-bas. D'accord, je pense que je vais faire ça peut-être. Enfin, je sais pas. Mais les calculateurs, en fait, ouais, calculé. Tu me calcules. Moi j'ai fait L aussi donc. S te plaît, calcule. Ah non, ça va. Donc en fait, c'est le au revoir à Tony. Bon bah, là je cherche mes parents maintenant. Voilà mon le comité de départ avec un voyageur 1, un voyageur 2. Mais toi tu voyages pas? Non, pas. Pas tout de suite non plus. Non, 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 ça va. Pas tout de suite. Bon, en tout cas, c'est une nouvelle aventure pour nous trois pour l'instant. Effectivement, effectivement. Patrick. Je sais pas si on entend ce qu'on dit en fait. Je sais pas. Le prochain vlog au Québec. Non, à Paris. Le prochain vlog à Paris. À Paris d'abord. Intermédiaire. Et tu vas où? D'accord. Et tu vas où? Toulouse. Bonsoir, je suis bordelais. D'accord, moi je suis pas encore québécois. Et tu vas où? À Lyon. Et tu vas où? À Cannes. Au moins la destination au moins. La vraie qui fait tous les aventuriers. Bon, c'était les adieux assez émouvants pour le coup. Du coup, là on se dirige porte d'embarquement numéro 6 pour prendre l'avion. Enfin, pour voir l'avion pas de suite. Parce que là on va en embarquement. Du coup, voilà. On est en salle d'embarquement avec Nicolas. Alors qu'on attend le vol. T'as pas le même vol que moi, toi, du coup? Non, non, mais on l'attend. Parce que, bien sûr, les passagers de son vol embarquent, mais pas lui. C'est ça, c'est ça. Moi j'ai la place 32 qui est donc pas dans les places appelées. Mais c'est pas grave. On attend. Du coup là on va essayer de craser un peu dans l'avion. Je te jure. Ah putain. Mec, il y a 11 heures de vol mon gars mec. C'est ça, tu crases pas dans l'avion mec. C'est chaud. T'es un warrior, tu vas être fatigué. T'as un pari, on m'a dit waouh. Pourquoi toi t'as deux avions la suite? Non même pas, t'es dans 8 heures à Orly. Sérieux? J'arrive à 7h45, dans 8 heures, je repars à 15h45. Moi j'ai un train. Ouais. J'ai 7 heures de vol pour aller au Québec. On va s'amuser hein pour ce voyage. C'est le pire c'est qu'on part à 15h, on arrive à 17h. Paye ton décalage horaire mon gars. Ça vole de 2h.
Au début, je pense. Putain, y'a un grand tortue à traverser quand même. Donc, dans l'avion là, du coup, je sais pas si vous entendez beaucoup ou pas. Dans l'avion, on a eu avec Corsair des écouteurs, des caches-oreilles à tout pour dormir. On a eu un oreiller ou une couette qui est en dessous. On a un truc assez cool. On peut charger le tel avec l'écran. Et ça, c'est pas mal. Donc là, ce que je fais, c'est que je mater un petit film. Filmer un peu le décollage. Et ça va être assez sympathique, je pense. Ça c'est vraiment nul. Bon, on va même passer le transit. Du coup on s'est fait fouiller. Et bonjour. Et donc on a dû sortir tous les fils, toutes les souris, tout ça pour le petit contrôle en arrivant à Orly. Voilà, c'est cool. Donc on est à Orly et du coup j'avais promis dans le vlog précédent que j'allais parler de où je vais. Donc je vais en animation 3D et à Matane et du coup c'est une ville au nord de Montréal. Et en fait toute ma formation est payée par la région. Donc j'ai 28 000 euros sur 3 ans, donc ça fait 700 euros par mois. Donc c'est une bourse en fait qui équivaut à 700 euros par mois, ça fait 1000 dollars par mois. Et du coup voilà, les frais d'inscription ont coûté moins de 700 euros pour moi. Et du coup c'est vraiment une très bonne opportunité qui est offerte par la région Réunion de nous financer pour nos études. Mais après le projet c'est vraiment de rester là-bas en fait. Je suis un petit peu fatigué après le vol, ça se sent dans ma voix, je sais pas. Et donc là je fais un peu de montage parce que j'ai encore le vlog là à monter, un cover à monter et pas mal de choses. Donc même si je suis en déplacement, je fais du montage. Ça roule. Bon, ça fait 3 heures que je bosse sur le cover de Lola et moi. J'ai fini. Donc là je vais prendre un truc à manger et puis direction la porte de Barcourt. Bataille navale sur les écrans. Ça tombe bien, on est au-dessus de la mer pendant environ 5 bonnes heures. On est encore au-dessus de la mer là. Quoi que là, c'est l'Irlande. C'est à moi là ? Merde. Merde. Moi, c'est une défaite. Une défaite écrasante pour ta flotte de Thomas. Ouais. C'est pas grave. On est toujours au-dessus de l'Irlande. Ouais, ça. On sait pas ce que c'est. Bœuf, pomme de terre, je sais pas. Attention, Thomas teste le expérience. Le smecta corsaire. Après 5 minutes de préparation intensive,
La texture ne semble pas de confiance. Et Thomas ne décide pas de la boire. Thomas et moi, on a fait une petite boussole, fait maison, enfin, fait corsaire. Et donc ici, la petite bulle qui est là indique le nord. Donc là, on se dirige vers le pays du froid. C'est pas vrai. Hein. Sinon ça, à l'heure où je parle, il est 21h à La Réunion. Et nous, en fait, on remonte le temps. C'est-à-dire qu'en fait, l'avion qu'on prend change de fuseau horaire 3 ou 4 fois, je sais plus. Et du coup, en fait, on est parti de 15h de Paris et on arrive à 17h à Montréal. C'est-à-dire qu'on se prend 7 heures de vol, 7 à 8 heures de vol pour avoir 2 heures de plus dans aucune logique possible. Mais bon, on aura toute la soirée pour s'amuser à Montréal après. Aussi, petit truc assez chiant, c'est que la lumière reflète sur les moteurs et sur les nuages. Du coup, moi, quand je regarde dehors, ça me nique les yeux. Ah. Bon, il nous reste 2h30 de vol. C'est chiant. Ouais. On s'en met, il y a des gars tellement ils s'en met, les gars squattent le bar de l'avion. Ça zoom lent, sérieux. Et donc, 22h52 à La Réunion et il est 14h53 à Montréal. Ça fait donc 3 fois. Ça fait plus de 24 heures qu'on est le 10, j'ai l'impression, non? Ouais, bah on a toujours pas dormi pendant 24 heures. Pour l'instant, on ne connaît que le soleil. On ne connaît pas la lune. Regardez ça, ça fait 6 heures que c'est comme ça. Non, dans 2 heures. Après 25 heures de voyage, la Terre est en vue. Enfin 25 heures, il nous manque 2 heures à compléter pour être à 25 heures, mais enfin on voit le Québec. C'est un instant magique. Puisqu'on a posé notre QI 6, 5, 3 ans, minimum. C'est pas fini. Et là il reste encore. Il reste encore tout ça à traverser. Et on est encore. Bon, du coup, c'est la deuxième fois qu'on voit le 10 août. Vers La Réunion, il est minuit et demi. Et nous, il est quelle heure? Nous, il est à cause de ça, ne quitte pas. Il est 14h30. Mais donc là, on fait notre petit déjeuner. Là, c'est notre petit déjeuner, goûter, on sait pas trop. Pour la même chose. Voilà, un petit moelleux au chocolat, brownies. Yeah. Bon, là on attend juste que notre avion trouve une place de parking. Et après, voilà. Ce sera bon. Il faut changer la batterie aussi, en parlant. C'est le high stop. Ok, on a passé les portes de sécurité de Montréal. On a récupéré nos bagages. Avec Thomas qui fait son snap. Thomas qui fait son snap. Donc là, on a juste à faire le contrôle des bagages. Et ça devrait aller. Je sais même pas si je l'aurais filmé ici, mais c'est pas grave. Toujours aussi swag. Et donc là, on se dirige vers le contrôle. Bon, actuellement je suis en train de chercher un bureau de change, mais je pense que je peux y aller. Je vais repartir d'où je viens parce que je suis dans une ville que je ne connais pas, donc on va pas se perdre. J'ai reparti avec mon sac de touriste vers mon école parce que là bah, c'est vraiment la merde. C'est marrant parce que dans l'aéroport il y a des prises électriques internationales. Du coup bah les adaptateurs qu'on a acheté bah ça sert pas grand chose dans l'aéroport. Ouais, du coup le bureau de change là je peux pas le prendre, je pense que je vais payer par carte, ce sera plus simple. Du coup là on attend notre personne qui nous accompagne jusqu'à les résidences. On verra. Bon bah finalement je fais la queue pour le change. Parce que officiellement en ligne le change est de 1,42 et là il est de 1,32. Donc c'est pas trop mal. Bon du coup c'est parti pour l'extérieur de l'aéroport. C'est donc la première fois à Montréal depuis 9 ans. Ça va être la découverte pour moi, attention. Mon pays pendant 3 ans, minimum. C'est pas dans quoi il roule les flics ici. C'est parti. Ouh là 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 là. Oh. Et les gars, regardez-moi la voiture de police. Si c'est pas stylé ça. Bon là, chez moi, il fait 32 degrés extérieur. Parce qu'il y a la pollution, il y a la fumée, il y a la chaleur extérieure. Ça, c'est tenable. On a l'habitude avec Saint-Pierre, mais bon. Finalement on va pas s'avouer parce qu'on va manger à la résidence, on va juste prendre un truc à boire.
Maintenant, faut trouver un petit chose qu'ils vont boire. Peut-être là-dedans. Ils vendent du vin. Mais c'est un peu cher, non, monsieur. On va aller voir. On se retrouve devant un petit choix. Comment. Merde. Ça m'a l'air bien. Du coup, comme vous venez de voir, j'ai raté mon premier chocolat chaud canadien. En fait, je savais pas qu'il fallait mettre la petite bouteille, enfin la petite bouteille, le petit verre en dessous. Du coup, ça a coulé dans le vide. Et ouais, j'avais bien l'air con devant le serveur. Mais c'est pas grave, au moins j'ai mon premier. La première cup. Et ça, c'est cool. Ça, c'est le son quand la porte de secours est ouverte. Hey, bon, on est dans leur résidence pour dormir à Montréal. On doit se lever à 7h45 du matin. On est fatigué, à mort. On a pris 25 heures de voyage. On est mort. Je vais quand même vous montrer un peu la vue que j'ai ce soir. Bon, en tout cas, j'espère que ce voyage de depuis la Réunion jusqu'à Montréal vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. Bienvenue.